Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez importante car ça y est, la nouvelle construction Altaïa que j'ai commandée est arrivée. Alors on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Allez, on ne perd pas de temps, on va découvrir que c'est. Donc il s'agit normalement du numéro 1 et du numéro 2. Donc là, ça sert à rien. Alors attention, qu'est-ce que c'est comme construction? Et voici monter la redoutable Nissan Skyline GTR de Brian O'Connor de Fast and Furious. Voilà, donc voici la nouvelle collection. Donc je l'attendais quand même pas mal parce qu'il y avait déjà une rumeur que ça allait arriver début octobre et finalement c'est arrivé un peu plus tard que prévu. Donc ça doit être. C'est même pas le numéro 1, celui-là c'est le numéro pour présenter, je pense. La voiture. Et là, du coup. On a déjà le pare-choc. Le pare-choc avec la calandre, avec le sigle GTR, les anti-brouillards, les clignotants et tout. Donc ça, je ne sais pas si c'est le numéro 1. Peut-être. Si je crois que c'est le numéro 1. Et le numéro 2. Voilà, on a une jante. Un pneu. Voilà, bon, bah, de toute façon, on sait très bien que ça va durer. Pas mal de temps, voilà, donc ça c'est le numéro 2, voilà. Et donc ça va être une collection qui va s'étaler sur 2 ans, hein, à partir de à peu près de cette date-là, et souvent il faut rajouter 1 ou 2 mois de plus. Et voilà, dans 2 ans, on aura la finalité de la construction. Donc là, je ne sais pas si c'est à l'échelle, mais c'est possible. Par rapport à ce qu'on voit là en fait, donc c'est assez grand, ça va ressembler en taille à celle de K2000. Donc il y a une télécommande pour activer toutes les fonctionnalités de la Nissan Skyline, les phares et les feux s'allument, les portières, le capot, le haillon peuvent s'ouvrir, les vitres latérales s'abaissent, le volant fait pivoter les roues, les sons du moteur et du klaxon, donc ça c'est pas mal, la lumière d'ambiance du néon bleu, donc il y a un néon bleu à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc voilà. Voilà la nouvelle construction. Donc je pense que vous vous en doutiez un peu. J'étais parti sur le Ecto 1 de Ghostbuster, mais déjà d'une, il n'y a plus de nouvelles. Donc c'est un peu bizarre. Et de deux, bon, à choisir, je préfère quand même voilà, la GTR de Brian O'Connor de Fast and Furious. Alors, abonnez-vous et recevez ces cadeaux exclusifs. Donc, on a 3 affiches, on a une plaque, on a un mug et on a une GTR 1/43e. Donc, voilà, bon, c'est à peu près comme sur K2000. Hein. K2000, on avait une plaque, j'avais eu aussi. Non, j'avais pas eu de mug. Non, j'avais eu. Je crois que c'était une powerbank, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, il y avait des affiches. Ah non, j'avais eu un t-shirt. Un t-shirt donc à choisir. En plus il est trop stylé le mec donc voilà. Offre premium, réserve aux abonnés, c'est la vitrine, j'ai pas prise, pas besoin. En choisissant paiement par prélèvement, vous recevrez un cadeau, une enceinte Bluetooth unique. Bon ça va être un peu une enceinte un peu de la merde, mais bon c'est pas grave, on la prend quand même. Hein. Bon ben voilà, bon ben hâte de monter les premiers numéros, même si ça va être du rapide je pense. Alors, le premier c'est avec le pare-choc, il faudra juste monter la calandre et les petits feux, mais bon, allez, c'est avec le tournevis ça si, voilà. Bon ben allez, voilà, j'espère que ça vous plaît, et puis que voilà, on va se donner rendez-vous toutes les semaines pour monter ça. Enfin toutes les semaines, voilà, tout dépend de. Quand est-ce que je vais recevoir les numéros? Parce qu'après, on a un roulement de 6 numéros toutes les 6 semaines, donc ça fait un numéro par semaine. Mais au tout départ, ça peut-être prendre un peu plus de temps, donc on verra bien. Bon, ben voilà, merci de m'avoir suivi les amis. On se retrouve très vite pour monter le premier numéro de la Skyline GTR de Brian O'Connor. Allez, salut!